Alors nous revoici, hein. Voilà, on a un petit carburant cube, hein. On va peut-être popper parce que les équipes sont assez pressées quand même. Tout à fait. Là. Et voilà, on va partir sur le queue de béton, hein. J'ai l'impression. Oui, mais oui, normalement, bon. Si ça c'est. Connection lost. Connected. Ah, on a eu un petit problème TS. Bon, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Pas grave. Bon, on va repartir, hein, sur mes remerciements aux équipes. En attendant, les techniques qui perdent le cut veto. Alors, qu'est-ce que c'est? User was moved to your channel. Ouais, elle est heureux. On est ouais, une petite déco TS, je crois, il me semble. Ah ouais, il y a une petite bug DS, je sais pas si... Là, je vais remercier encore l'équipe parce que j'ai pas remercié toutes les équipes. Donc... Ah, le DS, il commence à avoir un petit problème là, on va voir qu'on règle ça très rapidement. C'est vraiment désolé, hein, c'est... Bah, ouais. Ah, les aléas directs, hein. Là, le cut veto qui a été remporté par le RIC. Mais bon, je... Pour dire que un cut, c'est pas... Voilà, ça fait pas gagner une équipe, hein. On a pas besoin de TS pour faire un cut. Bravo. Faut pas se prendre la tête pour ça. Et Cross qui a été... Cross qui a été veto. Que Crash Back City. Et la petite dernière joue toujours. Crash Back City. La dernière c'est Strike, quoi. Bien, qui veto vite quand même. Allez, c'est tout. City qui est veto. Crash Strike. Et la petite dernière, je me rappelle jamais. Crash Strike et Backlot, quoi, ça. Ouais. Ah voilà, tout à fait. Merci pour ton information. Backlot veto et que Crash ou Strike, ça va être quoi? Alors, je pense qu'on va rejouer. Je la ressens bien celle-là, je sais pas pourquoi. Eh non, Strike. Alors voilà, on joue Strike. Parti. Strike. Et c'est une map vraiment qui est très très bien parce que elle est ni avantageuse pour l'attaque, ni avantageuse pour la défense. Donc ça va être 55. Bah, comme on a vu tout à l'heure, hein, sur Crash, hein, je sais pas si t'as remarqué, hein, mais les e-gamers, ils avaient mis 6 points, mais en attaque, ils ont pas mis un seul point. Eh ouais, Crash qui est plus avantageux pour la défense, hein, surtout avec les Ori qui ont fait une très très belle défense. Ah, moi franchement, Gallo, il m'a vraiment impressionné, je le connaissais pas du tout ce joueur. Et... Oh, je suis pas fan, mais il est très très... Ouais, je le trouve très bon. Hein. Ah, si vous live, side... Live, bon d'accord, on va partir sur un live, hein, donc moi pour moi les ethniques vont avoir fort à faire, hein, parce que franchement les Auric ils m'ont impressionné. Vous bien repérer Roro et Popeye s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Dans 2-3 rounds on va switch Popeye avec les ethniques, voir leur ambiance. N'hésitez pas, hein, on fera bientôt, on va en refaire un jeudi prochain sur Rival Fighting, si vous voulez y participer, il n'y a pas de souci. Là pour vous commenter, pour vous streamer, nous ça nous dérange pas qu'on verse, ça nous fait plaisir. Exactement. J'ai une petite pensée pour les Italiens, parce que j'en connais quelques-uns qui doivent être un peu déçus de leur équipe nationale de football. Et on fait un match nul contre Croatie. Et voilà, ça ferme un peu les portes pour le quart. Pas bon, bref, on en parlera un autre jour. J'ai envie de faire une soirée 100% foot.
Ça me fait ouais, plaisir, c'est j'aimerais bien faire ça. Qui va, il va bientôt créer son émission sur la TV 100% foot. Jack, ça existe déjà sur une chaîne publique. Et donc, voilà, exactement. Allez, c'est du live. On va suivre Mazalaza qui a pris la K, donc c'est Tom Tom qui va stopper d'après moi. Non, c'est du live ou des cuts? Cut. Bon, non, c'est cut. Ah, hein, c'est vrai, donc c'est cut. Hein. Ah, ouais. Ah, bah non. Alors. Ah, ah, ils disent pas, un reste. Parce que ils ont dit oui pour. Alors ils ont dit. Ils ont dit. Tout à l'heure, live direct. Bien vu dire live tout à l'heure. Et là, ils disent. Pas du tout. Bon. Pas le truc. En fait, j'ai bien vu dire net qu'il a dit live. Là, il redit live or not. Donc, non, moi j'ai vu tout à l'heure un ethnique dire live. Après, je sais oui, pas. Oui, tout à fait. Ouais. Bien vu le live, alors je sais pas. Voilà les. Ça se chambre. Gallo qui parle bien français, j'ai l'impression. Roro, s'il te plaît, ma poule. Ah oui, bien sûr, excusez-moi. Ouais, je... plus de vision. Alors, je sais pas s'ils vont partir sur un live ou ils vont. Alors, je vais demander la question. Live or cut. Ah, Amnesia qui dit cut. Cut, go, cut. Bon, c'est cut. Voilà, c'est bon. Allez, on est parti bon, pour un cut. On est parti pour un cut, hein, désolé. Bon, voilà, on sait pas ce qui est passé dans la tête des équipes, mais pas bien grave. Allez. Premier cut de vision sur Tom Tom. Vision qui enchaîne. Et Auric ont enchaîné 3 kills déjà pour eux. 4 voilà, il reste plus que pour Amnesia. Amnesia en plus qui est repéré. Il se fait courir comme un lapin de garenne et voilà. Tombe sous le cut de vision qui fait 3 kills ou 4. C'est bien joué. Et les Auric qui sont chaud bouillant. Pierre Clan passe les stars. Voilà. Et les Auric qui vont. Ah. Aïe hop, moi j'ai déjà revu, je suis au taquet, c'est on est parti. Alors, je comprends plus rien, soit ils se chambrent, soit ils sont sérieux pour un cut, alors je comprends plus rien, est-ce qu'ils cut? Oh là. Ça y est, c'est... Ah, Ned qui a dit live, il a réussi à le dire, ça y est. Live. Allez, là on va suivre Mazalaza. Cette fois-ci, c'est parti pour le live. Hein. Allez, les nats qui tombent des deux côtés. Et les nats qui tombent déjà. Oh, la bien joué, plus Moïse. Plus 10 à la natte de Moïse. C'est pas Moïse, c'est Moai. Ah, Moai, voilà, Moïse. Hein. Et voilà, il fait kick de kill aussi. Est-ce que le pomme de Tom, tout il doit le dire. Putain, les gars, quand même. C'est pas sympa avec moi. Et déjà. Il y a tout seul le pauvre et là il est tombé et Vision qui fait son kill. Ça a été très vite hein, je crois que c'est le round le plus rapide que j'ai eu pour l'instant. Allez, Gallo, il va faire sa chevauchée au Gallo. C'est trop fait qu'il me raconte des blagues alors je suis obligé de les dire parce que sinon il me tape après. Ah bon, c'est pas grave, bref. Et voilà, la fois a été donné à un Gallo qui a dit un mec en A. Mazalaza qui la décale sur vision. Issa qui est tombé, Wizzy. Elvis qui est tombé, Mazalaza. Et il y a deux Auric dans le Magmid. C'est assez spécial comme strat. Voilà, là ça. Voilà, il reste 1 minute 5, 4 contre 3, ça bouge pas. Tom Tom qui a foutu une balle à Iced mais malheureusement pas la deuxième. Ça va être en duel, et lui qui va faire le duel, malheureusement Amnesia qui fait tomber Iced. Le duel, Tom Tom va faire ça, Elvis, la duel, et Tom Tom, oh là magnifique, des cases, Elvis, je sais pas comment il a fait pour le voir, mais il l'a vu. Et il l'a vu rentrer, puis après il a tiré. Ça s'appelle des rayons X-Net qui fait tomber Gallo, voilà, qui est mort comme un cheval au galop. Et explique-moi, il est au pauvre là face à Amnesia et Ned. Qui va avoir le time? Qui va avoir le time? Statiste de question.
Il a pas le time, hein. La flèche a été donnée. Hé hey, mec, les statues! Pas moi! Bien joué! Oh, dommage! Et Moai qui a pas eu le time, c'est dommage. Hein. Et voilà, 1-1. Quand... Je sens bien que les Ori qu'on fasse, ils vont mettre tout le rune et rune lent, ils vont avoir du mal. Pour l'instant, c'est ce que ça m'a montré sur les deux points. Allez, on va suivre celle là, la mini folle théorique qui rush direct le kebab, hein. Il en a rien à foutre. Je ouais, il a vu double palme là. Ouais, mais il en a vu un passé aussi sur la stat. C'est là, faut les donner à droite, il y en a un vision. Bien joué. Oh là 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 là. Deux kills théorique. Ethnic Wizard. Théorique. Moai. Oh là là, ça va très très vite, t'as même pas le temps de dire les kills, il reste plus que Tom-Tom. Tom-Tom qui est passé dans la fumée. Et voilà, oh voilà, voilà. Bien les Auric qui prennent vraiment le contrôle de la stat là en. Ah, mais je t'ai dit, hein, les Auric quand ils font des rounds fast, ils font des rounds fast. Voilà, exactement. Allez, on va suivre Wizzy là. Et avec sa lourde. Allez, vas-y, je rush le mid. Malheureusement, je vois Stan. Ah, Wizzy qui a pas le time. Attention, si ça passe dans le Mike B, ça va y faire très mal à Wizzy. Ah non. Oh, regarde derrière, c'est passé ça à backup côté Auric. On a vu un Wizzy. On a vu deux Wizzy. Oh, Seth qui fait tomber Tom Tom. Seth qui va faire tomber. Oh, Seth qui dommage. Se fait. Et Wizzy aussi qui se fait. Oh, Wizzy qui fait pas cette fois-ci. Bien joué sur Wizzy. Elvis qui fait tomber Ned. 3 contre 3. 1 minute 5. Oh, bon, Mazalaza il l'a vu sur le. Ouh, Galo. Ned, Galo, deuxième kill. Ouh, c'est pas passé loin. Deuxième kill. Oui. Et Galo, c'est vraiment le cheval au galop. Hein. Ouais, Galo ce soir, il est vraiment, vraiment à Galo, il va faire tomber Ned. Ah, non, c'est Amnesia, pardon. Elle est dans le recoin. Amnesia qui est complètement bloqué. Amnesia qui est ultra en plus. Et Galo qui avait bien pré-shoot, c'est dommage qu'il n'ait pas continué. Galo, il va faire son troisième kill. Je sens bien Galo là, je ne sais pas pourquoi. Galo, il l'a vu, ouais. Il est l'OHP. Et voilà, voilà, Galo qui fait le troisième kill. Magnifique round de Galo qui a enchaîné deux kills. Bon, il a fait sa deuxième balle, mais il met quand même la troisième. Bien joué, 3-1 pour Léori. Galo qui est complètement au taquet là ce soir, là, il y va. Ah, Galo, et... Galo, il galope. Hein. Il galope. Hein. Exactement. Galo, il galope. Hein. Et Popeye qui me fait rire, il dit vous avez bien aimé la blague du cheval au galop. Et voilà, Mazalaza qui tombe mes mailles. Galo, ouh, la nade de Ned sur Elvis là. On aurait dit une étoile qui tombe du ciel le là. Time de Amnesia, Iset qui tombait Amnesia. Elle, comme... Là il est free. Là il est free pour. Attention. Le A ça va poser droit à côté Auric. Tom Tom qui est juste au-dessus de Iset. Un mec qui est plein mid. Qui hey, Tom Tom qui a dû l'entendre là, il va le chercher. Oh, la décale de Iset sur Tom Tom. Vision qui va faire tomber, dommage Vision. Oh, le fail giggle. Oh, quel dommage Vision. Alors là, à mon avis, Iset vers son rune. Je sens bien Iset là. Galo qui fait tomber Mazalaza. Non, non, toi tu passes pas, interdit. Exactement. Oh, il restait qu'une balle dans son AK. Et voilà, Iset qui fait tomber Wizzy. Je croyais qu'il restait qu'une balle, non? Il restait plusieurs balles dans la. Connection lost. Connected. 4 contre 2. User in your channel timed out. Et voilà, mes actes sont mes visions. 3 contre 2. Attention, si ça pose côté. Côté Auric, il a sa nade, mais il a déjà balancé, ça c'est dommage. Attention le duel, attention, il y a deux ethniques au même endroit. Explosives planted. Tom Tom il a pas le time, Tom Tom il a pas le time, et voilà, il fait deuxième kill. Il fait deuxième kill, non.
Oui. Connection lost. Connected. Ah, le TS. Zelki, que tu es connecté en double. User was kicked out of your channel. Ça sert à rien. Y a pas de souci. Je sais pas le. J'ai deux Zelki pour le prix d'un sur le TS. Oh, mais à ce point-là. Pas mon bref. Pas attendre les équipes parce que le TS il a le TS qui a quelques problèmes, je sais pas ce qu'il a, enfin bon c'est pas grave, on va se passer d'écouter les équipes, on va entendre ma belle voix hein, donc y a... Septième round. Pour l'instant, les Auric qui sont à 5-1. Ah bon. Allez, c'est parti. Allez, on va suivre l'Italien de ce groupe d'Auric. Allez, oui, j'ai la nade. Ned qui fait la nade. Moïc. Moïc. Ouais, il est tombé vite, hein. Ouais, il est pas allé loin, bien loin. C'est dommage. Allez, on va suivre. On va suivre Wizzy, bien entendu. Wizzy qui fait tomber Evzion. Oh, j'ai pas entendu ce qu'il m'a dit, mais bon, on va suivre quand même. Allez, Gallo qui fait tomber Ned. Attention, parce que Gallo, il est au Gallo. Et Tom Tom qui fait tomber Gallo, et voilà. Peut-être en changeant de TS, les Ethniques, ça va leur faire du bien. Et voilà, Mazalazak qui fait tomber Elvis Presley. Allez, on est parti Ned. Sur Ned là. Vas-y. Voici le Neddy Ned. Le Neddy Ned qui a pris une loge, je crois. Ouh, la petite Ned. À chaque fois qu'il fait une nade, ça tombe. Et Vision qui tombe Ned. Nade retard, malheureusement, ça tue pas. Allez, 4 contre 4, 1 minute 20. Oh, Mazalazal a décalé sur Vision. Oh, Gallo. Ouais, Gallo encore. Et Gallo, il est vraiment, vraiment magnifique ce soir, je l'adore ce joueur, je sais pas pourquoi, mais il me fait des trucs que j'adore. Et Moai qui est tombé amnésia, Mazalazak qui touche il met le des Gallo, balles, Tom Tom qui tombe tombé Moai. Bon, allez. Ah bien joué, ça touche. Bien joué Elvis qui fait tomber tout le temps, ça y est, l'info a été donnée. Gallo il va sauter, il va décaler. Oh là 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 là, Mickey. Mais quel décal magnifique avec ce petit saut. Quel un Gallo. Hein. Voilà. Il va sauter, il va décaler. Je l'ai vu tout de suite. Et voilà, 6 à 2 pour les Auric, magnifique. Allez. De Gallo. Et franchement, ce joueur, il est magnifique, je l'adore. Je l'adore. Allez, voilà, Gallo. Et voilà. Un nouveau fanboy, il s'appelle Zelki. Ah, il a décalé, il s'est sur Wizzy, là. Oh, Mazalazak a fait décalé. Vision sur le Temid. Il peut être carroché en B, là. Oh, Gallo oh, la décale encore. Et Gallo, il est impressionnant. On fire le Gallo là. Ah mais le Gallo il m'impressionne. Franchement je l'adore. Il me fait rêver. Allez, là, il sait qui tire là. Ah, il sait qu'il y a un duel. Elvis qui fait tomber Ned. Il y en a un autre temps là. La faut l'être donné. Tom Tom il l'a vu. Ah il s'attire en duel avec Tom. Gallo qui fait tomber Tom Tom. Mais Gallo il me mais Gallo qui fait arrive Gallo. Tranquillement. Et regarde Gallo je le sens bien. Gallo je le sens bien sur notre style. Regarde bien. Gallo, regarde. La nade, le loscope. Et non, ah non. C'est Elvis qui fait tomber Gallo. Magnifique, hein. Les Auric, c'est vraiment. Pour l'instant, c'est pas pour être méchant, hein. Mais les Auric dominent les ethniques. Incroyable.
Tête à deux. La domination là, c'est. Pas la mitaine qui rush avec la lourde là. Allez, net vision. Pour l'instant, nos petits français qui suivent pas le rythme. Hein. Gallo est méga lourd. Hein. Elle était pas Popeye qui fait des rimes ce soir. Non, ça moi c'est Zelki. Mais c'est oh, mais... Zelki. Je sais que tu me surnommes comme mon idole, tu m'adores Popeye, c'est mon idole. Oh, Thompson, il fait tomber Instead. Le duel. Hein. Eh, c'est du 4 contre 3, 50 secondes. Popeye qui veut pas me faire délicace, bon c'est pas grave, hein. Moi je vais pleurer dans mon coin, mais c'est pas grave, j'ai continué mon match. Net, il fait tomber Moai. Oh bah voilà, Elvis enchaîne. Bien joué de la part d'Elvis qui a fait retourner le round avec deux. Magnifique Elvis. Elvis avec Gallo, moi je les aime bien ces deux joueurs. Explosives planted. Tendu. Exactement. Ah, Tom, il a le time. Ça y est, il est repéré. Oh, couché juste à côté. Oui. Oh, bien joué. Ah, Elvis, il m'a fait rêver. Eh, les visions qui volent leur neveu. Ah, ils ont déjà 8-2, c'est déjà très bien, je trouve. Pas sans plaindre. Le test, il a bugué, les gars, je crois. Ouais, le test, mais c'est pas grave, on en reprend quand même. Y'a pas de soucis. Allez, c'est parti. Allez, Gallo, Léo. Encore la décale. Mais Gallo, il est impressionnant ce joueur. Il est magnifique, je l'adore. Il est tombé juste derrière sous les pattes de Net, c'est dommage. Net, non, Net enchaîne aussi. Ouais, Net, GG. Net qui a dû donner l'info sur qu'il a la bombe. Wizzy sur un vision, il reste plus que Elvis. Elvis qui a touché Wizzy. Mais Net qui va arriver, qui va terminer tranquillement le boulot, à mon avis, même pas, il y va pas. Il ose pas. Il a la bombe. Ouais, mais les qui ose pas, je trouve que ça sert à rien d'aider son mate. Là, il aurait. Ouais, c'est vrai que Popeye me dit il perd 8-2, il faudrait que toi tu mettes. Ouais, qui rassure, voilà, 8-3. 4-3, j'espère vraiment une remontée des techniques, hein, parce que là pour l'instant c'est la débandade. Hein. Là, regarde, il y a eu les 3 heureux qui sont déjà à plus de 10 kills. Allez, on va suivre Gallo là, le score qui part en B. Ouh, dommage! Mon stop préféré, Gallo, mon stop préféré. Allez, Vision qui fait tout même. C'est mon Gallo. Allez, Matalaza qui fait tomber Moai. Matalaza qui a du boulot. Et Isat qui fait tomber Mazalazad. 4 contre 3. Avec Gallo qui cherche Tom Tom. Avec Gallo là, il est en duel avec Tom Tom. Hein, ça va. Ah, ça va se jouer. Moi, ouais, Gallo, je le sens bien. Je sens bien Gallo faire un truc de ouf. Je sais pas pourquoi. Hein. Et voilà, Elvis. Elvis qui fait tomber aussi. Elvis, oh, Elvis qui enchaîné sur Net. Oh là 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 là. Tom Tom qui tombe Isat. Et Tom Tom hein, qui va tomber malheureusement parce qu'il a 1 contre 3. Il est repéré. L'info l'a été donnée. Il est voiture verte. Il est low HP. Gallo qui va le finir. Et voilà, voilà. Gallo qui va le finir. Et 9 à 3 pour les Auric. Les Auric qui sont vraiment pour l'instant dominés les ethniques hein, sur tous les plans. Que ce soit en A, que ce soit en B, les Auric qui étaient partout. Là pour l'instant c'est la défense. Je me demande ce qu'ils vont faire en défense. Je les imagine bien moi. J'imagine bien Gallo monter direct sur le Jump TV. Et nous faire des décalages, me faire rêver en tout cas, parce que ce joueur me fait rêver. Enfin, je vais bien dormir ce soir. Allez, on va suivre la mini des Ethnic Wizzy. Oh, mais ils ont laissé la bombe pour commencer, les Ethnic. Ouais, les Ethnic, je crois qu'ils ont perdu confiance. Quoi, ouais, mais. Pas comme d'habitude. Tom Tom qui fait tomber à la vision. Attention. Wizzy, il l'a vu. Tu vas faire tomber le kebab. Eh ouais, c'est logique. Attention le duel. Net qui fait tomber Moai. Net qui a ramassé la mini. Ah non, qui a la mini, pardon.
À la nappe frappe, malheureusement, il n'y a personne. Mazalaza qui tombe vite. Allez, il reste juste Gallo. Gallo qui rentre. Gallo qui Mazalaza qui enchaîné sur Amnesia là. Ouais, mais Mazalaza qui fait tomber son mate surtout. Eh, mais Amnesia, il est vraiment pas très bien. Il est 3-12, c'est pas. Pas en forme, j'ai envie de dire. Allez, on va suivre Iced. L'autre mini, hein, côté Auric. Iced qui rush, qui est vraiment très impressionnant. Moi, tout à l'heure, il m'a fait des décales de folie. Allez, c'est passé. Oui, oui. Elvis. Elvis qui fait 1+10, normal. Merci les gars d'être passés. Demain, il y a du boulot. Là, la pause Tom, des. Tom qui fait les décales sur vision. Ouais, les pics, ils savent pas du tout quoi faire. Ils sont vraiment très mal passés. Amnesia qui est tombé. Iced, ils sont 3 contre 3. Mazalaza, Amnesia qui est en fouine en haut là. Mazalaza qui a pris la pause de la fouine. Allez, on va suivre. Voilà, bon, il tombe direct sur la date de Amnesia. Bien joué de la part de Amnesia là. Il y a 2 kills, je crois. Il a fait 2 kills. Ouais, il a fait 2 kills. Allez, Gallo, tu peux le faire. 1v3. Allez, ma poule, je m'en rêvais. Ah, il a pas vu. Ça y est, là. Boum. Loupé, le Deagle loupé. Oui, oui, Gallo, oui, Gallo. Non, Gallo. Oh, c'est non, dommage. Gallo. Non, mon petit Gallo, c'est pas grave. Mais c'est bien parce que ça permet au Ethnic de revenir à 5 à 9. J'ai encore de l'espoir à l'Ethnic, il y a que 4 points à rattraper. Rien n'est joué encore. Allez, on va suivre Tom Tom là. Le scope Ethnic. Qui va nous faire Tom Tom. Il attend beaucoup de temps avant chez Sana. Net qui fait tomber vision. Gallo qui fait tomber net. Ouais, oh là là là. Oh, ça enchaîne, t'enchaînes les frags. Wizzy, là, ouais, qui fait tomber Wizzy. 3 contre 2. Est-ce qu'il va avoir le temps, Moai? Moai qui a pas le time. Mazalaza qui fait tomber Moai. Boum! Et voilà. Oh, Tom Tom le décale. Non, non, Tom Tom il tombe. Oh là là, Gallo. Voilà, Gallo qui fait la décale. Il fait la décale sur Tom Tom, tout à fait. Mazalaza là, il est bien placé, mais il y a, malheureusement, il n'y a personne là-bas, Maza. Voilà, là, il y en a plus là. 2 contre 1, les deux sont mid. Ouais, personne sait. Personne sait. Hein. Ça y est, l'info l'était donnée. Et sur le BPA, vas-y, viens avec moi, mec. Tu vas m'aider. Boum, fail. Ah, il est vu rentrer à droite là. Allez, Gallo qui va. Oh là 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 là. Oh, ce qu'il a mis. Bravo, Gallo. Oh, magnifique. Vraiment. Ah ouais, son bravo, Gallo. Et Gallo qui nous a sorti cette décale encore. Attends, une décale magnifique. Hein. Je sais pas d'où il l'a trouvé, mais. Allez, on finit net là. Il a fini pour lui le kebab. Allez, net qui va rush. Allez, net qui va faire un premier kill. Ouais, net qui fait tomber. Il cède. Net qui regarde pas à gauche, ça y est, il a vu le pied, non, il a pas vu le pied. Si Net qui est tombé Fission, Mazalaza qui est tombé Moai, allez, ça y est, les ethniques qui sont arrivés, j'ai l'impression 5 contre 2. Ça s'appelle du rush, Ethnic. Elvis qui est ultra low HP, il a pris des balles de mini. Elvis tombe tous les balles d'Anzia et Tom Tom qui finit. Ouais, voilà, GG. Ça 6 pour les Auric, le Auric pour l'instant qui domine toujours leur sujet. Très beau round des ethniques là quand même, ouais, avec des bons rushs. Hein. Un bon rush. Ouais, un bon time. Allez, on va suivre Gallo. Allez, allez, mon petit Gallo. Allez, Gallo, malheureusement, il y a personne en B, mon ami. C'est le A. Ça se passe en A. Wizzy qui tombe Moai. Ça y est, c'est parti. J'ai un peu de Ethnic. On lance la machine. Amazing. Allez, c'est passé à 4 sur le A. 4 sur le A côté Ethnic. Allez, Nana Strat, malheureusement, qui donnera rien. Oh, il l'a vu, petit Gallo. Oh là là, Gallo touche, Tom Tom. Gallo qui paye son truc, c'est dommage. Ah, j'ai un duel. Gallo qui fait tomber Mazalaza. Gallo, il est impressionnant. Wizzy qui tombe, il cède. Wizzy qui fait le deuxième kill. Tom Tom qui tombe Vision. Elvis qui tombe Amnesia. Et reste plus qu'Elvis. Elvis il risque de tomber. Hein. Et voilà, Ned qui a attendu patiemment son adversaire. Comme un renard des surfaces. Pour l'instant, 10 à 7. Allez, on va suivre un Ethnic. J'ai envie de suivre Ned. Allez, on va suivre Ned. Ned. Gallo qui tombe. Ouais, Gallo qui a fait ta première décale. Ned, il reste que tomber. Oh, voilà, Vision qu'on a vu en deuxième. Oh, c'est dommage. On aurait pu enchaîner sur la stat. Ouais, ça y est, les Auric, j'ai l'impression qu'ils sont énervés là. Mazalaza qui ultra low HP. Il est repéré. Et dans le recoin, malheureusement, personne pré-shoot.
Allez, Tom Tom qui tente la pré-shoot. Malheureusement, tu toucheras pas, mec. Amnesia qui tombe galop. 3 contre 3. La strat de Mazalaza. Malheureusement, il n'y a personne. Ils sont partis depuis longtemps. Il cède. Amnesia. Tom Tom qui touche. Il cède avec son deagle. Attention, je pense qu'il va tenter le scope. Non, même pas. Il tente pas le scope. C'est dommage. Il sait qu'il y a toujours la bombe. Ils ont toujours la bombe. Oui, oui. Non, dommage. Il cède. Il fait un beau round là. Allez, 3 contre 2. Bien joué, Elvis. Belle cover sur Tom Tom. Il a très bien cover son mec. Ça, c'est bien joué de la part d'Elvis. Allez, reste plus que le pauvre Mazaza en 1v3. Il peut le faire, hein. Il est vraiment impressionnant ce joueur. Et malheureusement, il en a un sur le PA. Hein. Ouais, qui est très bien placé. À mon avis, ce qui va se passer, voilà. Ce qui va se passer, allez, dommage. Il va tomber. Moi, j'aurais pensé que Mazaza aurait tenté la pause et moi, il aurait fini tout simplement. Mais bon, c'est pas grave. Je veux pas. 11 à 7 pour l'instant. Allez, on va suivre un des joueurs sur la map. Ça sera déjà un bon début. Oh, le plus 10. Ah, il 7, il fait le plus 10 à la nat. Ouais. Allez, on va suivre Vision là. Vision qui est bien placé sur la stat. Twizy qui est tombé Moai. Mazalaza qui est tombé Moai. Et Mazalaza qui rush pour poser le A là. Il y a un problème dans Moai. Il prend des balles. Oui, oh dommage, Vision qui fait son eagle, malheureusement non, il est pas la vision, il est parti en B, Ned. Ah, le duel. Eh, t'as vu, Elvis et Ned, ils sont croisés. Il est passé juste en dessous, Ned. Ned, il a une position avantageuse. Hein. Il a une position très avantageuse parce que personne l'a vu passer B. Il est passé mid, malheureusement, je pense que c'est pas la bonne solution qu'il fallait faire. Il aurait dû back. C'est assez dommage ce qu'il a fait. Ouais, mais ouais, il a pas vu le garage. Ça y est, ça il va l'attendre. Il va le faire tomber, je pense que. Ça et y voilà. Est, Ned qui fait tomber galop. Bah, ça doit rager un galop, il doit y dire. Mais mec, qu'est-ce qu'il fait, Magmite? C'est pas possible. Il doit se poser la question, est-ce qu'il a camp au début du round ou quoi? Oh, il et voilà, pas vu sur Elvis, la il rattrape son erreur. Bien joué, hein, Elvis, il est très bien placé. Elvis, il a des très bonnes poses. J'aime bien ce joueur aussi. De toute façon, j'aime tous les Auric, j'ai l'impression que je les aime tous. Allez, les Auric qui sont très très. Galo la dégale sur Amnesia. Elvis sur Wizzy. Ah, Tom Tom capture Ned qui fait tomber Vision. Tom Tom qui fait l'équipe. Hein. Ah, ils sont en duel. Il va y avoir un duel entre Tom Tom et Galo. Tom Tom qui a refusé le duel. Moi qui tombe Ned. Et Iset qui tombe Mazaza. Et un truc Tom Tom. Oui, Tom Tom qui risque de tomber un V4. Et voilà, Moai voilà. Gagne le round. Et voilà, 13 à 7. Et Oriki, nous retrouverons face au Useful. Bravo de la part des Ethnic, malheureusement, hein, qui sont réveillés un peu trop tard. Ça finit, hein. Ils perdaient 8-2, malheureusement. Hein. Ils ont revenu à 13-7, mais ils n'ont pas pu gagner. C'est malheureux. Allez, on se retrouve tout à l'heure. A tout de suite.